Naeposa est située à 50 Bo, 59,4 mètres, au nord de Miro Anyung, étant située sur la rive gauche du palais provisoire. Le bâtiment a été achevé le 9 septembre 1796, 20 Yungjo, et sa hauteur est de 7 chok et 5 chon, 2,32 mètres. Un seul ondol chauffé et des briques l'entourant. Naeposa est un poste de garde utilisé pour informer les personnes à l'intérieur du palais temporaire des urgences. Situé sur les hauteurs derrière le palais, le poste Naeposa offre une vue de la zone environnante. 4 soldats étaient habituellement stationnés ici, mais 2 autres ont été déployés lors de la visite du roi. Les soldats brandissaient des drapeaux ou frappaient un instrument en bois en forme de poisson pour alerter d'une urgence. Chez Naeposa, le demi-compartiment avant est ouvert. Et il y a des murs bas qui bloquent le vent et la pluie à gauche et à droite. De plus, un système de chauffage au sol, appelé dol en coréen, a été installé dans une pièce à l'arrière pour que les soldats puissent rester. Naeposa a été détruite au début du XXe siècle mais reconstruite en 2006. Naeposa est une installation militaire située dans la partie la plus au nord du palais temporaire Hwasung. Naeposa est située près de Miro Anyung où le roi Yungjo palais temporaire chantait ou a négligé et apprécié les loisirs. Naeposa est l'installation militaire la plus proche qui protège le roi. Au palais Hwasung Engung, où le roi séjournait sous la montagne Pal Dalsan, elle occupe une position importante de surveillance et de vigilance. Surtout pour une surveillance et une vigilance 24 heures sur 24, Naeposa est construit dans une structure qui permet un repos intermittent. Dans les temps anciens, la présence du roi était très importante. Lors de la visite du roi dans les provinces, il a toujours été question d'assurer la sécurité. Assurer la sécurité était considéré comme important à la forteresse Suwon Hwaseong et au palais temporaire Hwasung. Donc, une sécurité qui reposait sur la puissance militaire a été soulignée.